deep is your love? Salut à tous, c'est Fred pour IPPS Gaming. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de survivaliste. Un petit jeu encore apparemment de survie. Bon, j'ai eu une occasion super chez mon partenaire Kinguin, lien dans la description en bas. Et du coup, je l'ai payé pas très cher et il a l'air super bien coté sur Steam. Donc je me suis dit, bon, on va tenter le coup. Et on va découvrir ensemble de quoi ça parle. Donc, ce jeu se déroule dans un futur proche, un an après le déclin de la civilisation. Alors, vous jouez en tant que Joe Wheeler, un food manager et propriétaire d'un petit bunker souterrain dans le désert de Sonaran, où vous avez pris refuge. Ce bunker contenait 365 jours de rations. Le jour 60... Le 364e jour, bon, bien sûr. 365. Donc, notre radio a reçu un message SOS qui vient de quelque part tout proche. Aujourd'hui, on est le jour 365 et on doit quitter le bunker à la recherche de nourriture. Et alors, Survivalist a cessé de fonctionner. Donc, on essaie de le relancer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Petit instant, on relance. C'est les aléas. Hein. En fait, le jeu donc est toujours en bêta. Et donc voilà, donc il explique un peu les touches. On a une nouvelle quête, New World, du parquet du Carfarter Dantes Dartrek Yergo. Donc il veut que je trouve ma voiture. Ok. La touche F3 pour voir les quêtes, Escape pour fermer. Donc on va faire F3 pour voir les quêtes. Ok, d'accord. Voilà donc. Voilà, ben on court. Ouh! Un zombie! Mon dieu! Nouvelle quête! Vite! Tuez le zombie avec le bouton droit de la souris! Ah non, pour le viser et le gauche pour le frapper! Ah! Et ne laissez pas votre fatigue monter! Allez hop, on va le frapper ce zombie! Allez hop, posture de combat et. Pam! Tiens, vilain, vilain! Oh 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 oh! Coup de pied! Ah, oui. Ha! Alors. Donc, ici, je dois. Donc, fouiller le corps du zombie qui a un pistolet. Un bandage. Et 42 munitions, mon dieu! Oh! Les 42, forcément. Donc ici je vais 7 le livre sur 20 parce qu'il y a une poids forcément. On verra peut-être les effets. Donc ma voiture est cassée et donc je peux continuer à pied. Voilà, dans le walk. On va continuer. Ok. Juste peut-être essayer d'aller dans les options parce que j'ai déjà diminué énormément le volume sonore. Donc je coupe la musique de toute façon, c'est pas très grave. Mais elle était au minimum et ça allait encore un peu trop fort pour moi. Donc voilà. Voilà, là on retourne dans le jeu. Et alors on continue. Bon, graphiquement, c'est pas. Le jeu. Est-ce qu'on a un inventaire ou quelque chose comme ça? Non. Peut-être pas tout de suite. Donc shift pour courir. Voilà, comme ça on fait des plus grandes zones. Et il y a encore un zombie. Hein. Alors maintenant il veut qu'on utilise notre pistolet.
Switch Weapon Using Mouse Wheel. Donc il faut utiliser la molette de la souris. Bouton droit pour viser, bouton gauche pour tirer. Ok, ça c'est. Donc, il veut que je cible le panneau routier. Donc, astuce. Tirez sur le panneau. Votre précision est faible. Quand elle est loin, comme ça, bon, je ne vois pas trop. Bon, d'abord, je vais récupérer les munitions. Ok. Merci, madame la zombie. Est-ce qu'on peut fouiller les véhicules? Oui. Putain, c'est exagéré. Il y a que des munitions creux là-dedans. Faut tout perdre à un moment, c'est pas possible. Bon, donc graphiquement, je disais c'est pourri, mais bon. Donc il dit, ok, quand la croix est blanche, faible précision, quand la croix est rouge, meilleure précision. Maintenant, il veut qu'on aille vers une ville. On va continuer à suivre notre chemin sur la route en courant très vite. Où j'ai rangé mon pistolet. On va recharger quand on est en chemin, on sait jamais, parce que j'entends des bruits de zombies. Bon alors, trouver de la nourriture. Un bon endroit de départ serait de fouiller les maisons dans des radeaux. Pour entrer une maison, aller devant et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Et quand on est dedans, appuyer sur F1 pour voir l'inventaire. Ok. Donc voilà. Mon inventaire. La fin et la fin. Donc l'inventaire de la maison. En tout. Peu serait fin pour voir ton avantage, je vais cliquer là. Donc ah, donc la faim diminue quand on mange. Ok, oui, je croyais que c'était le contraire, qu'on avait une barre de faim. Ok, donc là, il n'a plus très faim. Ok. Il s'est auto-soigné. Ouf! Mais, hein? Plus, ils ont rien à part de la vodka, ces gens.
de bois. Bon, visiblement, je sais pas les prendre. Et encore un zombie ici. Ouf. Ils me font stresser ces zombies. J'ai pris l'eau. Le chips. Ok, donc on doit aller rechercher la clé pour libérer, parce que ça serait parti chercher de l'eau et elle n'est jamais revenue. Oh, pourquoi on a 50 000 munitions et déjà plus? Ça doit être la sœur, je suppose. Là, ok, ouais, il fallait ouvrir forcément. Bon, je vais boire un peu d'eau, je pense. J'ai plus soif. Voilà, dit qu'on a été mordu, je dois trouver des antigènes.
Ok. Bon, je vais récupérer quelques brawls. Bon, avec sa voix de 15, qu'elle est. J'ai mis les deux là-dedans, en fait. Fabriquer des bandages, et je dois abandonner après un bandage. Pourquoi? J'aime pas abandonner les bandages, surtout que j'ai un créé. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse maintenant? Donc, F3 pour regarder mes quêtes. Et j'ai plus de quêtes là. Je crois qu'elle va aller voir sa sœur. C'est déjà sa sœur. Pet shop supply. Donc je peux leur refourguer des affaires aussi à elle. Voilà. Ok, bah alors on est parti.
Niel et moi avons des armes. On est dans le cac. Regardez sur le chemin s'il n'y a pas une voiture ou l'autre éventuellement. Allez, crève pourriture des communistes! De la vodka. C'est le bouton pour tout ramasser. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va parler avec elle. Let's swap supplies. Prends les munitions. Je vais donner ça pour aussi. Comme ça, on a 5 gold. Mais je garde. Je vais te donner un paquet de chips. Pour manger. Regarde. Ah, mes chips. J'ai le bandage. Et voilà. Hop. Je prends ma vodka, je viens dans l'inventaire et je demande pour faire un cocktail Molotov, mais il faut des tissus que j'ai donné à elle, donc soap supply, tissu on va en prendre un, je pense que j'ai assez avec un pour mon cocktail Molotov.
récupère les sacs, parce qu'apparemment ça peut aider à stocker plus. 50 maintenant. Je peux lui donner, non? Non, non, mais tiens. Ah! Bon, je vais pas faire erreur, allez. C'est pour le bien de ma communauté. Je suis trop généreux, je sais. Donc 25. Hop. Donc, j'avais vu que. Waouh. Il me semble avoir vu en tout cas. Semblait avoir vu il y avait du multi, j'en ai pas vu dans le menu, parce que ça va venir, j'ai mal vu. Ouh, 50 munitions encore. Yes, on va encore en donner à la dame alors. Magasin d'Elec, on pensait quelque chose à prendre, des batteries, des panneaux solaires. Oh, à mon avis, tu peux construire une ville en fait. Bob Hardware. Un petit coup quand même de la ville avant d'aller faire la quête. Voilà, je pense qu'on a bien visité. Vous êtes vulnérable ou quand votre fatigue est haute, ouais, mais ça fatigue. Voilà. Ok, elle descend petit à petit. On va marcher un peu. C'est pas comme si on était pressé. Hein? Donc j'ai gagné un niveau en armes. Ah. Visiblement, il y a encore des zombies dans le coin. Bon, on notera que tir au pistolet, ça attire pas plus de zombies que ça. Ça, c'est un peu dommage.
Oh, on va aller par le chemin préconisé parce que je pense que là je suis en train d'avancer au lieu d'aller à la mission donc. Je vais avoir une étoile, logiquement, c'est ça, une étoile en arme à feu. Et visiblement, plus tu utilises, ben. Donc, médecine, construction, culture. Ah, ok. Et bien des niveaux. Enfin, des espèces de niveaux. Bon, on est d'accord, graphiquement, c'est pur, hein. Nouvelle quête, trouver la pharmacie. On peut offrir des livres apparemment, donc. Offrir, on va voir ça apprécie ou pas. On est pas content. Munition de sniper, bon, on prend. Pas un troisième, mais avec deux. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Cinq bouteilles de vodka. Qu'est-ce que je vais lui donner? Checker si je vois pas sa bijouterie sur moi à l'intérieur de la ville du coup. Pas chouette sa ville, hein.
Donc, plusieurs choix, je cherche la femme, je me dis ce que. Donc, soit on peut l'attaquer, soit on peut partir ou rien faire. Donc, là, il dit d'appuyer sur QE pour sélectionner la liste. Pour qu'elle lui parle, d'accord, on va faire ça. Donc là on est à 10. De la pharmacie. On va regarder l'inventaire. L'insuline. On la donne à Alice, celle qu'on a besoin. Voilà, c'est plus en prendre, je la prends. L'antigène pour moi. Tac. Allez. L'eau, ça en fout. Transporter le livre en fait qui donne le point d'autre. Échanger de livre ça donne le point à quelqu'un d'autre. Donc la nouvelle quête et au magasin d'armes.
belle petite attaque. On peut choisir la partie. Terrible. L'antigène à elle, alors. Bon, le content de son livre. Profil en voiture, munitions de. Oui! Shotgun, mais j'en ai pas encore. Du vin, de la nourriture en boîte de conserve. Allez, allons voir son magasin d'armes du coup. Thank you.
munitions de fusil d'assaut. Encore une belle petite attaque de zombie. Ils n'ont pas grand chose. Qu'est-ce qu'il en est dans sa faim et dans sa soif? Boire un coup d'eau à la pouf. Mange un paquet de chips. Deuxième là. On était fou.
Alors, ouais, donc. On retourne au bunker et je pense qu'on va se laisser là après. Alors. Récupérer encore quelques munitions du coup. Ouais, bande de fous. Voilà, ça va, calmez-vous les gars. Ok, il a rien compris avec une bande de fous comme vous. Je fais le plein de munitions hein, avant de repartir. Sais pas si on reviendra ici du coup, donc voilà. Bon, on est parti pour le bunker. Hein. Je me rappelle du chemin. Allez, vu qu'on continue par là, il connaît peut-être un raccourci. Dans votre cas, hop. Munitions de fusil d'assaut, je peux en prendre que 10. Du ciment, c'est trop lourd. Oh. La foire, ces zombies. Voilà, on continue.
continue. En tout cas, j'ai pas besoin. Or 3 de plus. On touche un petit peu le plein de munitions. Hop, très bien. Bon. Je pense qu'on est pas mal. Très fatigué. On est au bunker, c'est pas grave, mal, on continue. Ok, moi j'ai fait la céline en fait. Donc. Donc ils sont au boulot apparemment. On va faire peut-être plusieurs fois la route en fait pour vider le magasin d'armes et tout ça.
Je vais l'envoyer au hardware store. Et donc il marche jusque là. Donc je regarde alors ici ce qui se passe. Et ce que je vais faire, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà fait pas mal. Et à mon avis, bah, on va revenir prochainement. Je sauvegarde le jeu. Et je retourne pour le menu. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!